Salut, c'est Mister Freeze, on se retrouve pour la suite de Suikoden 2, toujours pour retrouver Teresa Wisemail. Voilà. Comme ça, on allait faire le ménage, alors qu'on va se barrer dès qu'on aura... fini. Hop. Ça sert à rien, les trucs comme ça, ça sert à rien, c'est juste pour dire si vous avez voulu faire des trucs en dehors de la quête principale. C'est de quoi elle va parler. La meuf qui s'incruste totale, elle arrive. Bon, maintenant, toi, ton ami, dis-moi des trucs sur lui. Ok, une teinture. Une teinture? C'est pas une moisite. La musique. Elle en a rien à battre l'autre. C'est cool qu'ils fassent participer les persos qu'on a pris dans l'équipe. Voilà. Donc là, comme je vous l'ai dit, hein, ça va être un nouvel aller-retour. Donc cette fois, on va aller... Ah. On va aller là. Et il y a Nina ici. Voilà. Faut la trouver, hein, quand même. Qu'est-ce qu'elle raconte? Au moins qu'il perd pas le nord, c'est cool. Alors elle sait qu'elle va nous rejoindre dans l'armée, mais je sais pas si c'est bon ou pas. Ouais, c'est bon. Si elle dit je suis votre allié, je pense qu'elle nous rejoint à la fin. Ah, le voilà, Plique.
Alors, on doit retrouver Fincher à la ville. Pauvre, il est dans la merde. Voilà, petit plan de flic. Ça, c'est un des moments que je préfère dans cette partie du jeu. Ah, ça calme, hein, ça. Ah, quand il s'agit d'harceler un mec en groupe, c'est facile, hein. Énorme, je trouve, le plan. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est... putain, c'est quoi cette traduction de chiottes? Ça m'énerve. On comprend ce qu'ils veulent dire, hein, mais... ça rend de la merde, comment c'est... ok. La tête énorme! Allez, capture d'écran, fond d'écran. Voilà, on sait qui c'est, hein, mais... Pilika qui a toujours des choses intéressantes. De toute façon, quand vous êtes bloqué, hein, dans cette partie du jeu, vous allez soit à l'Académie, soit au dortoir. Complètement taré. Ah, il me semble qu'il fallait aller d'abord là, non? Non. Elle a disparu, la réceptionniste. Bref, on s'en fout. D'ailleurs, je me rappelle pas quel rôle elle a dans l'armée, la réceptionniste. Parce qu'on a déjà une barmaid. On a déjà des aubergistes. Je sais pas ce qu'elle fait. On s'en fout. Alors. Dortoir. Faut que je fasse quoi là? Je comprends pas.
Mais elle, en 3 jours, enfin même pas en 2 jours, elle a réussi à dire tombe amoureuse d'un mec, dire à l'autre que c'est sa pote, et maintenant c'est sa pire ennemie, quoi. Ok, parle toute seule. C'est bien éclairé. Allez, go. Voilà, là vous avez remarqué hein, qu'il y a une lampe qui n'était pas allumée. Ah mais en fait ouais, il y a de l'électricité dans ce cas-là. Bon, vous allez me dire on a un assesseur dans le château. J'ai peut-être des appareils photo du coup. Bref. Quel est donc ce chemin? C'est énorme, il y a une phrase exprès selon le perso. Vraiment sympa qu'ils font participer les. Je l'ai déjà dit, hein, mais. Ils font participer les autres persos, c'est cool. Que 2 secondes, on va changer la formation. Putain, mais j'ai plus de vie. Ça, c'est abusé qu'il soigne pas entre les éléments de l'histoire. Ah, on se demande, il y a un passage secret, c'est sûr, mais on se demande comment on peut le débloquer. Franchement, il y a tellement d'éléments. T'es sérieux là? Putain, mes traductions c'est de pire en pire. Tu es si sympa, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Intelligent peut-être, non? Je sais pas.
Ok, donc voilà un petit passage dans la forêt. Ah, c'est vrai qu'il y a des ennemis ici. On va faire auto. Bon, allez, on va faire rune. Tigre blanc. Peut-être pas rune éclair non plus. Ah, elle a quoi comme on... Elle a haut? Ah ouais, donc soin, bah comme Nanami. Et ruse. Ah ouais, c'est gadget. Donc lui, bah, il a des... C'est une attaque magique à distance, en fait. Ils sont costauds. Ah non, c'est pas gadget. Ah non, parce que gadget c'est un autre perso. Ah putain, par contre ils font mal hein. Ah mais flic il est niveau 20. Je l'avais pas vu. Du coup, est-ce que ça le soigne quand il monte de niveau? Non. Enfin, ça doit le soigner des stats qu'il gagne, mais ça le soigne pas entièrement. Putain, j'en ai aucune idée. C'est à gauche ou à droite? On va aller là. Ça, par contre, je me souviens pas du tout du chemin de la forêt. On va courir. Yes. Je crois que je me suis trompé, je crois que c'était à droite. Putain, mais elle est grande cette saloperie de forêt. Abusé. Ah non, c'était bien là. Attendez, mais c'était pas la nuit, normalement? Bon. Voilà, on s'en doutait, hein, c'est la... C'est la cachette de Teresa. Tout ça pour rien. Thank you.
Ouais, c'est ce qu'on a vu avec Future. Ah, les bâtards. En gros, ils les ont affamés, quoi. Voilà, donc ça se passe pas trop comme prévu, hein. C'est aussi ça qui fait la force du scénario de Suikoden 2, c'est qu'il y a beaucoup de rebondissements. Voilà, bah écoutez, sur cette magnifique musique matinale, je vais vous laisser, et puis on va voir la suite et fin de la partie Teresa à la prochaine vidéo. Donc je vous dis à la prochaine pour voir ce qui va se passer avec Teresa, si on va réussir à la sauver, est-ce qu'on va encore étudier. Entre guillemets, parce que en fait, on n'a pas vu une salle de cours depuis le début, mais c'est n'importe quoi. Donc, bah, je vous dis à la prochaine. On verra aussi si Nina arrivera à choper Flic. Et je vous dis salut!